m'aide à trouver une maison pour trouver une stratégie. Ouais, bah moi, je suis pas tout à fait d'accord. Pourquoi? Parce que entrer dans une maison alors qu'elle appartient à quelqu'un d'autre, ça se fait pas. Pfff, je m'en fous. On est tous des antagonistes, au cas où tu aurais oublié. Donc on fait ce qu'on veut. Non, une antagoniste, ça devait être en opposition de quelqu'un d'autre. On s'en fout. Eh, salut. Mais qu'est-ce que vous faites dans ma maison? Eh, tu mets de quoi? On est tous des antagonistes. Si tu oses faire quoi que ça d'autre, eh ben on va te tuer. Ah, bon d'accord, vous êtes les bienvenus. Quoi? Eh ouais, je t'avais dit que je serais un bien meilleur chef. Bon, si vous voulez, vous pouvez regarder les vidéos du Randa qui critique Star Wars. Oh non, faites ça, on s'en fout pas du tout, parce que j'adore Durandal, parce que il critique Disney. Connard. Bien, si vous voulez, vous pouvez regarder quelques épisodes des précures. Non. C'est vraiment dommage, parce que vous allez tous regretter, c'est vraiment bien les précures. Non, ça n'est pas. Il y a des filles. Non, mais parce que les sceptiques, il en est fier. Ça se fait pas ce que tu dis là. Ça se fait pas. Et tu as déjà des chances que tu sois un antagoniste, parce que si tu serais pas, bah je t'aurais viré. Ouais, il y a intérêt. Vous trouvez pas que Finn est vraiment courageux? Il a réussi à nous battre. Ouais, c'est clair! Il a réussi à sauver la princesse! Oh, cette peste! Si jamais il ne serait pas là, surtout Finn, on n'en serait pas là! J'avoue que tu as parfaitement raison. Changer est assez incompétent, y compris Stan. Il faut trouver un moyen pour les débarrasser. En parlant de Princesse Sweetgum, ça vous dirait de regarder la relation entre Marceline et Princesse Sweetgum? C'est trop mignon. On s'en fout! Qu'est-ce que tu as dit? Une relation entre Marceline et Princesse Sweetgum? Ouais. Attends, ce serait pas... Attends une minute. Je pensais que Finn et la petite copine... Attends une minute, je comprends pas. Ça, normalement, ça devait être Finn et Princesse Sweetgum. Ben non, dans cet univers, c'est entre Marceline et Princesse Sweetgum. Alors que dans la nôtre, c'est pas pareil. Oh! Je commence à croire que c'est... complètement dégueulasse. Ouais, parce qu'une fille, une fille... C'est complètement un miracle. What? Ravi que tu sois de l'avis de cette œuvre. Ouais, je suis un grand fan d'Adverta Time et je suis un grand fan de cette relation. Oh, tu me renvoies à vie. Enfin, on est dans une ville paisible et totalement mignon. Ça te fait pas venir, il y a que des couples partout. Couples, mais on voit pas, mais... voilà, parce que ce serait un peu trop d'argent si on les montre. N'importe quoi. N'importe quoi, parce que je te rappelle quand même qu'on est en couple avec Pratt et Chewing-Gum. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, je pose une question, Phil. Oui? Est-ce que tu connais Jacques le Chien? Non. Marceline? Non. Le Roi des Glaces? Non. PLS? Non. Mais alors comment fais-tu pour connaître... What the fuck? Je te rappelle quand même qu'on est même pas dans le même univers, dans le même série, dans le même style, dans le même concept. Ah d'accord, je vois l'idée, ouais, je comprends. Bah oui, parce que explique-toi pourquoi est-ce que tu n'as pas le même comportement que Changin dans Titans Go. Ouais, j'avoue que le mien est assez meilleur que celui de l'original. Ouais, exactement. Mais pas aussi meilleur que celui de Titans Go, de Titans, vous savez, l'origine. Ouais, exactement. Ouais. Et que mes copains sont des gros attardés. Je préfère même pas en parler. Bon, si je résume bien, ça doit être la ville. Mais on est, c'est mignon, mais on n'est même pas à Tokyo. Oui, exactement. Salut à tous. J'espère que c'est pas encore un des gars qui travaille pour Panthérose. Mais de quoi vous parlez? Panthérose? Mais je vois même pas. Ah oui, Panthérose, le satanique. Ouais, je le déteste parce que Panthérose, il a osé attaquer à Tokyo. Et j'espère qu'il va pas attaquer à nous. Ouais, j'en espère aussi. Mais bon, je suis venu ici parce que... Est-ce que tu es en couple avec lui? Non. C'est mon secret. D'accord. Et toi, est-ce que... Non, tu es moche. What? Et toi, est-ce que tu es en couple avec elle? Oui. Ça a encore un problème. Ça tombe bien parce qu'on aimerait bien faire un test d'amour entre toi et la princesse. Oh oui! Oh oui! Jetez un œil, toi. Bah. Ok, d'accord. Tu tiens un œil à moi. Alors que j'essaie de faire un test d'amour. Honte sur toi! Oui, c'est vrai! Ça se fait pas ce que tu fais là! Tu te mets une fille surtout!
Ouais, mais tout ce qui s'est passé avec Riri... Ah non, Riri, je le déteste aussi. Hein, ça se fait pas ce qu'il a fait. Tu m'as l'air honnête. Ouais, exactement. Bref, Finn, comment tu connais mon nom? J'essaie de voir sur l'identité. De quelle identité tu parles? Bref, Finn et toi la princesse, venez avec moi dans ma petite maison pour faire un test. Je sens que c'est une, ça va être une belle expérience. Eh oui. Bon bah on a qu'à l'attendre. Oui exactement. Pour une fois il nous a pas demandé à nous de suivre. Ouais. Écoute, ça va être très simple. Si dans 30 minutes ils sont même pas sortis, je vais les voir. Ok, mais tu vas vraiment regretter pour ton acte. Ok, c'est l'heure du test. Oh, j'espère que ce test sera un miracle. Ouais, exactement. Ils peuvent pas dire le contraire. Hein? Qu'as-tu fait à la princesse? Tiens, salut, mon très cher Finn. Ah, encore vous, je vais tous vous défoncer pour avoir fait du mal à la princesse. Stop! Stop! Quoi? T'as pas intérêt à faire du mal à la princesse? Non, c'est plutôt la princesse qui va te faire du mal. Pourquoi? Parce que c'est vraiment triste, mais ce qui va se passer. La princesse a déjà une relation. Quoi? De quoi vous voulez parler? Tu vas voir. Tu vas voir. Le bol va te dire que tu vas regretter. Pourquoi tu... Ah, ils ont l'air amis, c'est génial. Ah, what? Mais ça suffit pas. Non. Tu vas voir. Non, c'est un fake. C'est encore une sorte de fanfiction. Non, ça s'est vraiment passé à la télé. Non. 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 Je vois pas bien, là. Peut-elle faire une telle chose? Hé, hey, pour une fois, c'est pas un fake. Et en plus, tu veux savoir la pire? De quoi? Même Internet avait dit que ce serait meilleur que ce serait en relation entre un princesse Hugo et Marceline. Pourquoi? Pourquoi? Non! Eh si, malheureusement, tu vas devoir admettre. Princesse Chewing-Gum t'a utilisé. Maintenant, il faut vite que tu partes. Et ne plus jamais revoir cette fille. C'est pour ton bien, tu sais. C'est pour ton bien. Je suis peut-être sexiste. Mais oui, il faut que je t'aide à percevoir la vérité. Ok. C'est par là la sortie. Une minute. Pourquoi est-ce que... Non, tu peux pas savoir. Si Finn t'explique tout ça à la princesse Chewing-Gum, on va sûrement se faire griller. C'est un très bon plan, ça. J'aurais jamais cru dire ça un jour. Et maintenant, le coup final. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Princesse. Je suis malheureusement te dire que... Finn, t'as trompé. Quoi? Eh oui, malheureusement. Oui. Yako, il a voulu montrer une bien meilleure personne. Et malheureusement, il a essayé de faire un test et apparemment, c'est zéro. Quoi? Mais pourquoi? Parce que Finn, c'est comme la communauté Pokémon. Ce sont tous que des hypocrites. Et à bout d'un moment, ils vont te laisser tomber parce que... va savoir pourquoi. Parce que... Il a trouvé que ça te suffit plus. Quoi? T'essaies de lui dire que... Eh oui, malheureusement. Finn... ne te plaît plus. Oui. Malheureusement. Non! Non! Eh oui, malheureusement. Carrément du... Hey.
que je te change. Pourquoi? Parce que quand tu as perdu tout ce qui te tient dans la cœur, il suffit maintenant de devenir en mode Dart Chewing-Gum. Oui, tu as sûrement raison. Bon, maintenant, il faudrait que tu changes parce que, honnêtement, avec cette tenue, ça te correspond pas du tout. Oui, Panthère Rose. Oh mon Dieu! Ouais. Waouh, je peux dire waouh. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Change de voix pour que ça soit beaucoup plus de menace. Comme ça. Ouais! Ouais! Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? La première chose à faire, c'est de trouver une ville qui correspond à ton nom. Ok. Maintenant, il ne reste plus qu'à trouver une ville. Comme ça, on va pouvoir débarrasser de Minako et les autres. Et en comme ça... Qu'est-ce qu'il y a? Je peux pas croire que tu aies réussi à faire tout ce plan. Et je t'ai vraiment surestimé. Eh ouais! Il fallait pas surestimer à moi, couillon! Je n'arrive même pas à y croire. Moi, Timon, qui essaie de faire de mon mieux, me faire humilier par Panthère Rose. J'ai vraiment déçu Mickey sur tous les points. Eh ouais! De toute façon, Mickey n'aime tout le monde! Il faut savoir la vérité en face! Tu as peut-être raison pour une fois. Tu as peut-être raison. Eh ouais, dans ta face, Timon. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? On s'en fout, Cabole! On va enfin pouvoir réussir notre plan! Allez, viens! Dart, Bubblegum, on a quelque chose à faire! Ok. Ok, je comprends, je commence à faire un gros doute. Là, je commence à en avoir marre. Il faut vite que j'aille voir ce qui se passe. Stan, attends! Je suis désolé, Minako, je sais ce que ça se fait pas, mais là, il faut vraiment que j'aille voir. Là, je m'inquiète. Moi aussi, je viens! Et attends-moi! Ok, qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, c'est la robe de la princesse! Oh non! Oh non, je me dis pas que... C'est bizarre. Pourquoi il y a personne? C'est quoi cette... Attends, ça ressemble vraiment à un dessin animé. Qu'est-ce qui s'est passé? Hey, mais... Stan, tu... Attends. Il y a personne. Je comprends pas. Moi aussi, je commence à mal comprendre. Et en plus, il est où Finn? Oh non! Il s'est fait kidnapper par... quelqu'un d'autre! Oh! Tu avais raison, Stan, encore une fois! Ouais, j'avais raison. Oh! Hé! Hey, il est où Finn et la princesse? Mais... Ah! Vous voulez parler de ça? Ah, c'est l'air Potter évident! Panthère Rose et les autres... Je le savais! Je disais Panthère Rose et les autres allaient faire un plan pour faire séparer Finn et la princesse. Quoi? Eh oui, parce que Finn s'est enfui en pleurant à cause de cette image. Mais de quoi tu... Oh, maintenant ça explique pourquoi! Quoi? Je comprends, ça comprend tout pourquoi est-ce que la princesse et Finn sont plus là. Je commence à comprendre! Ils ont voulu se faire séparer. Qu'est-ce que... Ah maintenant, je comprends maintenant! Ouais, je comprends pas pourquoi et... Mais pourquoi est-ce que... Bon, je vois pas en quoi est-ce que ça a l'air grave. Ils ont l'air à être... Bon, ok, d'accord, c'est juste... T'aimes pas tout ce qui est bien, hein? Non. Bah, t'as vraiment un gros problème, toi. Quoi? Chacun les droits, bien évidemment. Non, ce n'est pas ça qui est le problème. Qui cause problème. C'est tout ça par ça? Non, mais tous se rencontrent qu'on n'aimait pas dans le même univers. Oh non, mais franchement, Finn, il est parfois bête. Je dois admettre, ouais, il n'est pas vraiment futé. Et maintenant, la princesse Chewing-Gum n'est plus là. Mais je te demande qu'est-ce qu'elle a pu arriver. Moi aussi, je le demande. Moi aussi.
En tout cas, c'est pas vraiment un bon... c'est pas vraiment une bonne chose, tout ça. Ouais, je te le fais vraiment pas dire. Bon, bah, il faut vite retrouver les deux autres avant que ce soit trop tard. Où est-ce que tu veux venir en venir par trop tard? J'ai comme un mauvais pressentiment.